تنكروا يا امتي والقلب يعصره الاسى ان الجراح بكل شبر تسعر والله لن يحمي رباء اوطاننا الا الجهاد ومصحف يتقدر wa, wa Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alaihi wa salam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, c'est vrai que ce message, il est avant tout destiné euh, aux, on va dire, aux gens identitaires, d'extrême droite, euh, etc. Mais bon, euh, on ne choisit pas son, les gens qui écoutent, donc c'est évidemment ouvert à toutes les oreilles. Et je pense que ça peut être intéressant, si vous connaissez des gens euh, islamophobes, euh, d'extrême droite, identitaires, de leur transmettre ce message, peut-être, peut-être ça peut euh, leur ouvrir les yeux sur certaines réalités. Alors, euh, j'assiste à un débat TV, euh, l'émission C'est dans l'air d'il y a 2-3 jours, qui s'intitulait Policiers agressés, pourquoi tant de haine euh, Donc, ça, ça parle des événements euh, du de lynchage d'une policière à Champigny. Et évidemment, je suis... Euh, pff, d'habitude, euh, consterné, atterré, face à autant de médiocrité, autant d'amalgames, autant de pleurnicheries, autant de faux débats, en, euh, autant de faux diagnostics, autant de fausses solutions. Et voilà, si vous avez euh, 15-20 minutes à me consacrer, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis euh, consterné. Alors euh, voilà, tout le monde tombe des nus, comme à chaque fois. Euh, des mineurs à Champigny ont attaqué un commissariat. Euh, ça a été filmé sur Snapchat. Les jeunes se réjouissaient euh, de la policière lynchée. Euh, ce sont des mineurs, il faut euh, revoir les peines planchées. Euh, Est-ce qu'il faut plus de sécurité? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ces jeunes euh, se délectent de, de ça euh, On n'est pas assez de policiers, il faut plus de moyens, il faut plus de sécurité, etc., etc. Bon, euh, moi, mon, mon intérêt n'est pas là parce qu'à nouveau, comme dans beaucoup d'autres sujets que j'aborde, moi j'aime bien parler des racines, les branches, les fleurs et les fruits. C'est trop tard, on est déjà trop loin. Que pour en discuter, c'est pas à ce moment-là qu'on doit commencer à s'agiter, c'est longtemps avant. Alors, moi, pour ma part, je suis très étonné que des gens qui vivent comme moi, dans le même monde que moi, ne comprennent pas en fait que ces jeunes, qu'ils soient noirs, blancs ou arabes, il est clair que l'écrasante majorité sont noirs et arabes dans cet événement, euh, n'ont pas l'air de vivre dans le même monde que moi. Un monde où les jeunes ont, sont occupés euh, à jouer à des jeux comme Grand Theft Auto, donc GTA, 4, 5, 6, je sais pas où on en est, des jeunes euh, qui ont tous l'application Snapchat, des jeunes euh, nourris et éduqués par Monsieur Hanouna, Monsieur Arthur. Monsieur Coe, monsieur euh, Les anges de la télé, enfin je ne connais pas toute la, toute la panoplie hein, des émissions euh, aliénantes, euh, mais qu'on leur sert un peu partout. Des jeunes éduqués euh, et euh, nourris par mille et un rappeurs qui parlent de shit, qui parlent de femmes, qui parlent de, 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 de voitures de sport, euh, d'argent facile, etc. etc. Des jeunes qui voient que pour devenir riche et avoir la belle vie, eh bien il faut soit faire un disque de rap, soit acheter des bitcoins, euh, qui vont prendre 500 à 1000 en une semaine, euh, des jeunes qui voient euh, que les gens qui travaillent, les gens qui prennent le métro, les gens qui euh, en gros acceptent un rôle d'esclave de, de, moderne sont maltraités, euh, exploités, virés de leur travail pour un oui ou pour un non, mal payés, imposés, calomniés, poursuivis par le, le fisc, les impôts, et les charges. Et puis, je ne vais pas faire la liste qui est beaucoup plus longue, mais ce serait lassant. Et puis, et puis, tout le monde s'étonne. Pourquoi nos jeunes sont comme ça Pourquoi ils sont superficiels Pourquoi ils sont matérialistes Pourquoi ils sont violents pourquoi ils sont injustes Pourquoi ils sont assoiffés de buzz et d'événements de ce genre C'est une insulte à l'intelligence, vraiment grave. Moi j'ai l'impression en fait qu'on euh, a aujourd'hui, euh, bon je parle de la France, mais c'est peut-être vrai dans d'autres pays, mais je ne connais pas, on a aujourd'hui en fait des gens qui, euh, qui sont là, ils travaillent, ils payent des impôts, ils souffrent. Hein? Paye des crédits, etc. il voit, effectivement, comme je viens de le décrire, que toutes sortes de, de parvenus et de nouveaux riches sont noyés sous des bénéfices boursiers, des, 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 comment je vais dire, des, des gains euh, rapides dans toutes sortes de placements. Euh, ils voient que des grosses sociétés comme Google envoient tous leurs impôts, enfin évitent les impôts en envoyant tous leurs bénéfices aux Bermudes, etc. Donc ils sont extrêmement amers, à juste titre. Ils sont extrêmement amers de sentir qu'en fait eux sont un peu les dindons de la farce, les pigeons, et que pendant que eux euh, se sacrifient de tout leur sang pour Éduquer des enfants, payer des crédits, survivre, tout simplement. Et il y a des gens qui, eux, ben, en fait, en gros, euh, placent, placent leur argent dans toutes sortes de choses qui leur apportent beaucoup d'argent très vite. Et comme on le sait, l'argent appelle l'argent. Alors, ces gens amers, qui, à mon avis, vont être de plus en plus importants dans la, le pourcentage de la population française, cherchent cherchent des coupables. Alors, les coupables, ils ben, sont faciles à trouver, c'est ce que les médias désignent, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle les islamistes, les musulmans pratiquants, qui sont évidemment, par une grande fainéantise intellectuelle, assimilés à ces petits délinquants des rues, alors que tout le monde sait que les musulmans pratiquants sont régis par toutes sortes de restrictions et de... Et de Comment je vais dire de d'imposition euh, liée à la religion, pas d'alcool, euh, pas d'adultère, pas draguer les filles, pas de viol, pas de musique, euh, pas de pas d'injustice, pas s'attaquer à des civils, pas euh, pas être un mauvais exemple, enfin toute une série de choses censées être positives, hein. mais. Jour et nuit, dans tous les médias, on veut assimiler des millions de musulmans à quelques quelques gamins fraîchement convertis, soi-disant, à gauche et à droite, qui euh, commettent euh, des faits divers, euh, coups de couteau, à la wakbar, machin, etc. Donc on dit voilà le résultat de l'islam, etc. Et puis quand on a bien détruit cette dernière barrière morale, cette dernière protection contre la sauvagerie, en disant c'est l'horreur, c'est mauvais, c'est méchant, arrêtez, vous endoctrinez vos enfants, laissez-les libres, laissez-les entre nos mains regarder Hanouna et fumer leurs bons chichons hein, et faire leurs disques de rap. Là, on les aime bien quand ils sont comme ça, bien aliénés, bien dépourvus de toute valeur morale, c'est ça qu'on veut. Et une fois qu'on a le résultat, c'est-à-dire ces jeunes-là dans les, dans les rues à Champigny, on dit ah ben voilà hein, l'immigration ça c'est l'islam hein ah en gros c'est toujours l'islam le coupable si je comprends bien on est responsable d'ex-drogués homo euh, euh, sortis de trucs psychiatriques qui, qui, qui tuent des gens en disant la Akbar », c'est notre faute à tous ok et on est aussi responsable de tous ces jeunes que vous avez éduqués dans vos écoles laïques républiques, machin LGBT théorie du genre et compagnie avec les Snapchat, les jeux vidéo, le rap, le, le shit. Et quand ces gens, euh, ben, comme on le voit à Bruxelles, euh, dans des, des événements récents et également en France, deviennent en fait des sauvageons, <coughs> qui en plus sont immunisés puisqu'ils sont même mineurs et qui ne, ne sont eux poursuivis de rien du tout, c'est-à-dire qu'on est maintenant dans une situation complètement euh, grotesque qui consiste à jeter des gens en prison 12 à 24 mois en détention préventive parce qu'on a trouvé un drapeau chez eux avec marqué euh, l'attestation de foi islamique ou parce qu'ils ont dit euh, « euh, Bismillah » ou « Allahu Akbar », je ne sais pas quoi. Mais à côté de ça, on a des gens euh, qui cassent, qui tuent, qui lynchent, qui, euh, qui sont complètement inciviques et qui, eux, « Ah, ben c'est des jeunes, ils viennent des quartiers sensibles. Euh, » Il faut leur reconstruire un, un, un terrain de basket. Il faut les inscrire dans des clubs de sport pour qu'ils puissent faire de la boxe, pour se défouler. Il faut les laisser ouvrir des centres de jeunes où on mettra des consoles de jeux où ils pourront jouer toute la journée à FIFA 2018. Euh, voilà. Et puis on a le résultat alimenté en plus par un robinet de euh, réfugiés qui arrivent qui vont être parqués et, et dirigés vers le même destin hein les HLM, la CAF, le RSA, les écoles, les écoles poubelles, le, le, la vente de shit euh, et de drogue euh, comme seul euh, revenu dans un dans un environnement ce que ça aussi il faut le dire hein, je veux dire une chose en attire une autre à partir du moment où, à cause de votre nom et de votre faciès, vous ne pouvez pas louer un appartement, vous ne pouvez pas décrocher un emploi, etc., même si vous n'êtes pas comme ça, eh bien, fatalement, vouloir ou pas, au final, tout le monde se retrouve au fond de la cuvette. Alors, voilà, euh, moi je veux bien, mais aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, vous qui subissez et vivez ça en France, il y a des millions. De gens dans toutes les banlieues françaises, Grenoble, Marseille, Toulouse, Nantes, Roubaix, Tourcoing, Strasbourg, etc., avec des jeunes de ce, avec ce profil-là, vous allez faire quoi Engager 500 000 policiers Vous allez construire 200 prisons C'est quoi le projet C'est quoi le projet est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas voir la réalité en face qu'est-ce qu'est devenu notre société quelles sont les valeurs qu'on transmet quels sont nos codes moraux avons-nous bien ciblé d'où venait le mal qui nous ronge tant est-ce que c'est le musulman pratiquant qui va à la mosquée, qui baisse les yeux, qui euh, n'importune pas les femmes dans les rues, etc. est-ce que c'est lui le problème est-ce que c'est lui qui casse nos voitures Est-ce que c'est lui qui brûle nos voitures Est-ce que c'est lui qui viole nos femmes dans des tournantes Est-ce que c'est lui qui nous fait peur dans le métro, euh, qui nous cède pas sa place, euh, euh, qui paye pas son ticket et qui euh, insulte euh, nos enfants Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est vraiment lui ce profil-là qui pose problème à moi Français de souche qui souffre qui paye des impôts, qui est maltraité, qui est viré de son boulot, qui subit les délocalisations, qui subit la violence, qui subit euh, parfois le racisme anti-blanc, est-ce que c'est vraiment lui qui me pose problème Ou bien ce sont des jeunes abandonnés, acculturés, violents, matérialistes, consuméristes, nourris aux, 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 aux exploits de... de euh, je ne sais plus les noms, mais bon... Euh, Nourris aux exploits des de footballeurs du PSG, du Real Madrid, de Barcelone... Euh, occupés à chercher des buzz, à mettre sur Snapchat, etc. etc. je ne vais pas me répéter. C'est ça le problème. Et ça, personne ne le dit. Personne ne le dit parce qu'on ne va pas tuer la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'on est très content. On est très content finalement d'avoir une jeunesse abrutie consommatrice, ne rêvant que de l'iPhone X, etc., etc., et d'aller faire la file au cinéma pour aller voir le dernier Star Wars. Voilà le résultat. Voilà le résultat de notre lâcheté. Voilà le résultat de nos injustices. Voilà le résultat d'avoir mal ciblé d'où venait le mal. Et maintenant, on est là avec bientôt des, 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 des hordes, des hordes de jeunes. Zombifiés par la télé et le capitalisme, c'est trop facile et c'est faux de dire que ça c'est le fruit de l'islam, des enseignements islamiques. Au contraire, la plupart de ces jeunes n'ont aucune connaissance en islam. Et si demain, et si demain ils enfilent une bas et vont jeter une bombe ou planter un coup de couteau? ce ne sera pas à cause de leur connaissance de l'islam c'est simplement qu'ils auront voulu sacraliser leur envie de violence de révolte et d'en découdre avec une société qui les a euh, fait rêver à travers les footballeurs à travers l'argent facile à travers le bitcoin à travers euh, les placements juteux qui leur a fait rêver à un monde de consommation auquel ils ne peuvent pas participer parce que là d'où ils viennent, leur race, leur nom, leur éducation, le fait qu'ils parlent mal le français, qu'ils sont euh, impatients, vulgaires, agressifs. Qui va oser dire que pour des jeunes comme ça, qu'ils soient bleus, blancs, rouges, violets, polonais, lituaniens, marocains, algériens, il n'y a pas de place pour eux dans le monde, parce que tout simplement personne n'en veut, ni dans un boulot, ni à la mosquée, ni dans un centre social, etc. Qui va oser le dire? Qui va dire les vrais responsables de tout ça? Qui va oser dire ce qu'il faut faire pour corriger tout ça? Personne. Toujours des constats, toujours des pleurnicheries et toujours des désirs de répression à travers plus de forces de police et de prisons. C'est le mauvais chemin, c'est la voie de la lâcheté, c'est la voie de l'ignorance, c'est la voie de l'hypocrisie et malheureusement dans l'époque où on vit, c'est à ça qu'on est réduit. Et on invite des soi-disant spécialistes à la télé, toujours les mêmes, avec les mêmes discours, avec les mêmes analyses décalées, inutiles, soporifiques, euh, bêtes. Et voilà le résultat une société bête, décadente, qui finira sans doute, à force de subir des injustices et des maltraitances de de, de Macron et ses copains, qui finira par se venger sur les petits, c'est-à-dire les gosses de rue, les bêtes, les laisser pour compte, les acculturer, qu'on parquera dans des camps, dans des prisons, par milliers. Et puis il y en aura d'autres, et puis il y en aura d'autres, parce que tout le monde le sait. Moi, on est instruit, plus on fait d'enfants. Et c'est comme vouloir bloquer des milliards de litres d'eau avec un barrage fait de bois et de débris. Tôt ou tard, tout ça vole en éclats. Et ce qui est en dessous est noyé sous le poids euh, qui lui tombe dessus. Qui veut entendre ce que je raconte Qui veut comprendre Qui veut faire l'écho de tout ça Pas grand monde. Où sont les bouquins, les conférences qui expliquent tout ça J'attends Zemmour, Onfray, etc. Où êtes-vous Pourquoi vous qui avez un audimat et un auditoire, vous ne dites pas ça au lieu de pleurnicher sur une France qui n'existe plus une france, euh, la france de, de voltaire, de montaigne, zola, la, la, les grands esprits de gauche, les grands esprits de droite. vous ne voyez pas que vos nouveaux voltaire, montaigne, zola, ils s'appellent Anouna, arthur, drucker, etc. vous ne voyez pas qu'on est dans un autre monde. vous ne voyez pas que nos jeunes ne lisent plus. vous ne voyez pas que nos jeunes passent d'un abrutissement à un autre. vous ne voyez pas que nos jeunes ont leurs neurones infestés de thc. Où êtes vous? Où vivez vous? Vous ne faites jamais un tour au bois de Boulogne pour voir ce qui s'y passe? Vous, vous, vous ne voyez pas les nouvelles que les jeunes entendent à la télé? des riches producteurs, des riches cinéastes, des riches hommes d'affaires qui, qui, qui se sentent tous les droits et qui sont des espèces de monarques qui couchent avec des femmes, qui, qui, qui font et défont des destins et puis vous pensez que tous ces jeunes, face à tout ça, vous restez de marbre et vous restez des petits anges obéissants à la Sainte République laïque. Vous êtes complètement fous. Complètement fous. Moi, je refuse d'être un complice silencieux de cette mascarade. Et il est grand temps que les Français, qui qu'ils soient, enfin les Français et les autres, parce que c'est la même chose dans le monde entier, c'est la même maladie, commencent à voir la réalité en face. Voilà le monde que vous avez construit. Voilà le monde que vous léguez à vos enfants. À un monde pollué un monde plein de dettes un monde plein d'ignorance un monde plein de décadence et puis vous osez pleurer et vous osez en plus désigner comme coupables ceux qui veulent faire barrage à tout ça qui sont contre tout ça qui luttent jour et nuit contre tout ça en disant c'est l'islam quelle bêtise je vous laisse ici à très bientôt inshallah assalamu alaikum